Elle fait semblant. Elle est toute molle quand même, hein. Pourquoi vous riez? Pour rien. Pourquoi on rit? Mais Henri passe ton rire, pourquoi? Arrête! Tu me fais trop rire! Bah, c'est toi qui me fais rire! Tu as déjà été violée 3 fois avec la robe que tu portes. Quoi? C'est parce qu'elle est trop courte. Ah, ça c'est sûr. Mais t'as jamais vu une femme et une femme? Mais je veux pas entendre tes histoires de dingue! Va-t'en, laisse-moi! Pas la peine de me pousser! Va-t'en, je te dis! Un jour viendra. Je serai toute de cire vêtue. Alors, vous viendrez allumer ma petite mèche. Cette actrice est moche. Mon Dieu, mademoiselle, vous êtes vilaine. Si j'osais. Oh, le scandale! Quoi, mort? Ouais. Genre. Mort, mort? Ouais, mort. Mort. Ouais, enfin, c'était pour rigoler. Au début. Oui, bon, au début. C'est vrai qu'après une demi-heure, 3 quarts d'heure dans ces eaux-là, on y est allé un petit peu fort. On est dans la merde. Non, Lou, non. On n'est pas dans la merde. C'était pour rire, lui-même, il rigolait. Et il pleurait aussi. Je ne veux pas être mêlé à tout ça, moi. Je vais devenir dentiste. Et là, on se met tous à lui balancer des pierres dessus et... Y'en... Voilà. Ça y est, je l'ai dit, Anna. Peur. J'ai peur. Ça va s'arrêter où? Parce que, quand même, les parents d'Adam, eux, ils étaient à la télé hier soir. Eh ouais! Ils croiront à un enlèvement. Il y aura des enquêtes. La police. Le deuil. Et si tout le monde la ferme? Eh ben, ça devrait le faire pour nous. Mathilde, ma sœur, te voici de nouveau dans notre bonne ville. Es-tu venue avec de bonnes intentions? Car maintenant que l'âge nous a calmés un peu tous deux, on pourrait tâcher de ne plus nous chamailler. Cette maison est mauvaise, elle me fait peur. On me ferme la porte d'une pièce pendant des heures dans ma propre maison. Je suis prêt à retirer toutes ces portes. Je veux tout voir, quand je veux. Je veux faire mon service militaire. Aller en Algérie et faire la guerre. Tu devrais me parler à genoux devant les gueules, devant tes enfants. Pour qui te prends-tu? Pour qui nous prends-tu? Pour sans cesse nous maudire et nous défier. Eh bien oui, je te défie, Adrien. Et avec toi, ton fils, c'est ce qui te sert de femme. Je vous défie pour tous ici. Je n'aime pas que tu méprises ma femme, que tu m'emmerdes, que tu veuilles mon héritage. C'est normal. On a ça dans le sang. C'est une tradition. Mais que tu méprises ma femme, je ne le supporte pas, je serai capable de te tuer pour cela!